Salut à toi, c'est Morton Magaï, enfin dans une nouvelle vidéo, on va critiquer le film Butcher, un film d'Adrian Lenglet, avec Simon Phillips, si je me trompe pas. Donc Butcher, je l'ai avec moi, attendez. Je l'ai juste ici, comme ça j'aurai pas besoin de faire de montage, puisque j'ai la photo. Voilà Butcher, le magnifique. Il est aussi bien que ce que j'aurais cru. Voilà, bah attendez, j'ai ma critique, j'ai ma critique, j'ai ma critique. J'ai ma critique comme j'ai ma critique comme j'ai ma. Donc, Butcher, alors. Une famille de bouchers connus pour la qualité de leurs produits a élu domicile dans l'arrière-pays, loin du monde et du regard des hommes. En toute saison, tous ceux qui croisent leur chemin sont des victimes potentielles. Voilà. Je vous propose de lire ma petite critique. Jeu d'acteur. Simon Phillips dans le rôle de Owen, incroyable. Vraiment, c'est le meilleur acteur. Il porte très bien le long métrage. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé personnellement. Le reste du casting n'est pas notable, mais assez bon pour être apprécié. Ça reste tout de même un bon casting, quoi. Que ce soit Swanton, Marnie Lee, d'ailleurs je reconnaissais jamais entre Binet et Mainville. Je connaissais jamais laquelle était laquelle. Je disais que je me perdais dans les filles. Les deux filles, et je savais qu'elles ressemblaient beaucoup. Personnage plutôt platonique, superficiel et complètement sans aucune personnalité. Ouais, bah, les bouchers, c'est des bouchers tueurs. Un peu psychopathe, voilà, c'est tout. Les victimes, c'est juste des victimes à jeunes majeurs qui savent que faire la fête. En gros, hein, ils font pas de fête, mais qui savent que tromper, s'embrasser, tout ce qu'ils savent faire, quoi. Effets spéciaux, carrément séduisants. Ils font bon effet, le maquillage, lui, est pas mal du tout non plus. Soit le maquillage ou les effets spéciaux, bah moi j'ai adhéré. Et autant adhéré qu'à l'histoire. Mais faut avouer que l'ambiance, les 35 premières minutes, elle est bonne, mais en fait elle apporte pas grand-chose. Sinon l'histoire est celle d'un survival assez classique. Mais vu que j'en ai pas vu beaucoup de survival, je peux dire que ça passe. Ça passe. Pas du niveau de The Dare, qui The Dare est pour le moment mon pire film de l'année. Pour vous donner un petit ordre d'idée. Petit ordre d'idée. Ouais, vraiment The Dare, c'est une merde. Butcher, ça passe encore. Scénario. Bah, scénario, tout comme les personnages, plus que primaire en fait, il est bon mais d'une simplicité affligeante. Et il n'apporte rien de plus au récit, tout comme les personnages en fait. Tout comme l'histoire, qu'est-ce que je raconte? Et ça apporte rien de plus. Anxiété, slash jumpscare, slash dead sense, slash gore, slash mystère. Il n'y a pas de jumpscare. Butchers était vendu comme, par sa bande-annonce comme un film très gore. Mais il l'est à peine et il va jamais au bout du dégueulasse en fait. Il y a beaucoup de hors-champ, faut l'avouer. Voilà quoi, ça pourrait aller un peu plus sur le corps, un tout petit peu plus. Parce que là, vraiment, moi, quand tu vois la bande-annonce, il ne l'aurait pas vendu comme ça. Je serais pas resté sur ma faim, mais là, je peux le dire, je suis resté sur ma faim. La fin, bah, ça c'est classique. De toute façon, il n'y a pas de. Voilà quoi. Mais on peut rien lui reprocher. Moi, j'espère qu'il y aura un 2, parce que paraît-il, il y aura peut-être un 2. J'ai entendu une rumeur, je me rappelle plus où. Que dans ce genre de film, il y a souvent des deux, mais ça a été confirmé par personne. Donc moi, franchement, je vote pour un 2. Moi, si y a un petit 2, moi ça m'intéresse. Ma note sur 20 sera donc 3 sur 5, 6 sur 10, 12 sur 20, non, non, 12,5 sur 20. 12,25, allez. 12,25 sur 20. Bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était Mortoméga. Vote Mortoméga. Ciao, ciao!